Salut tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode sur DQ9. Et oh, une jolie statuette. Et la princesse du royaume d'Ouadi a été enlevée par son propre lézard. Ouais, je sais, ça fait bizarre comme ça, mais c'est pourtant arrivé. Et c'est la merde! Du coup, il s'est enfui, on va parler un peu aux servantes, voir ce qu'elles ont à nous dire. J'ai entendu dire que sa majesté était en danger et je suis venu aussi vite que j'ai pu, que c'était le passé, vous devez me le dire. On va l'aider, t'inquiète pas. Et ouais. Comme tu le dis, c'est la merde. Et écoute, on va y aller. On va aller dans ce puits. Parce qu'il est parti par là. Ah, donc on va tomber dans les égouts faits par le roi Achaïus, je pense. Il est un peu sec ce puits, hein. Ah, j'arrive pas à passer. Voilà, petit bug. Et on est parti, les amis, pour un nouveau boss, de nouvelles découvertes. Ouh, c'est quoi ce truc moche là? Ouh là là. Attendez, je vais déjà chercher ça. Oh! Bon. On va XP tranquille, hein. Voilà. Je pense pas qu'on fera le boss dans cet épisode. On va d'abord fouiller un peu le coin. Surtout ça. Gagner d'XP, gagner de l'or parce qu'on en a absolument plus, regardez. Oui, on est à peine 400. Des prestifigrifidateurs. Voilà. Mourez tous, les gars. Voilà, un petit peu d'XP, un peu d'or, fait du bien. Ah non, parce que j'ai plus rien. On avance. Si on le sent, on fera le boss ici. Sinon, on fera le prochain épisode assez rapidement, je pense. J'ai le niveau nécessaire pour le tuer. Large. Je crois. Je sais combien? Ouais, non, j'ai largement le niveau, mais... ça y est, dans le doute, des fois. Oh, un fantôme, sérieux? Je suis Aquis, le grand Irig, père de Noria et ancien roi de cette terre. Oh! Voyageur, écoutez les paroles d'un père rongé par le regret. Toute ma vie, j'ai voulu qu'on me voie comme un grand roi et je me suis désintéressé de ma pauvre petite fille. Son égoïsme, son entêtement, son incapacité à parler avec les autres, c'est moi qui en suis responsable. Je ne peux pas supporter de l'imaginer seule toute sa vie, ignorant ce qu'est la chaleur humaine. Voyageur, vous devez libérer ma fille de ce monstre et d'elle-même, exaucer le dernier vœu d'un vieil homme. Ouais, alors par contre, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense pas que ce soit toujours de la faute des parents non plus. Y'a rien là-dedans? Bien. À un moment donné, si elle a les outils aussi pour aller mieux, et qu'elle le fait pas. Voilà quoi. Il n'y a pas de monstre ici. Trop marrant. Oh, bon, je sais plus du tout où faut que j'aille moi. Bon, c'est par là, j'imagine. Hop! Ah, j'ai essayé d'esquiver, j'étais moins malin que lui. Ah, mais il y a du monde en plus. Hein. Aptitude Scratch. Un petit bang. On va tous se les faire, je pense. Voilà. Ah, il fait mal. Ah, je suis empoisonné. Fait chier, ça. Excusez-moi. Et de deux, j'imagine. Ah non, même pas. Ah, ils sont vachement résistants, en plus, eh. Oh. Faut que je sois prudent, quand même. Faut pas que je les sous-estime trop, parce que je peux mourir assez rapidement. On va passer la porte et on va se soigner juste après. Sauf que je ne peux pas passer. Ah, génial. Comment je fais déjà? Ah oui, il faut que je passe par en bas, c'est vrai, mince. Attendez, on va déjà se soigner tout de suite. Voilà. Nickel ça! Le chat, j'aimerais qu'il tourne en fait. Voilà, qui dégage. Ok. En fait, il faut aller par ici. Il faut que je monte par ce truc. Par la petite échelle. Voilà. Ah non, mais c'est fin hein, comme jeu, hein. Faut pas croire. Oh oh!
Alors attendez, on va remettre le truc correctement. Faut que j'aille tout au bout là-bas, c'est ça? Je suppose. Oh là là! Qu'ai-je fait? Il y en a trop! Il y a trop de monstres à chaque fois! C'est abusé! Hop! Voilà! Oula! Oh, ils ont pris cher, hein! Putain, j'ai loupé deux attaques sur trois, quoi! Abusé! Bon, allez, ils sont morts. Parfait. On essaie d'avancer au maximum. Pas trop besoin d'XP là pour l'instant dans cette zone. Ça remplit le bestiaire, certes, mais c'est tout quoi. Hop, demi-tour. Ah mince! T'as pas dû aller par là. J'ai fait une connerie, je crois. Ça me permet juste d'aller chercher le coffre à la limite. Même pas? Oh là là, j'ai fait le tour pour rien. Ah, bravo, Kev. T'es le meilleur, tu gères. Bon bah voilà, je suis fait niquer. Fait bel et bien que je passe par ici. On va prendre les petits coffres. Super. On se fait pas trop repérer, hein, ça va quand même, on se déplace assez librement, je trouve. Le coffre, je l'ai pas pris. Attendez, voilà. Un item rare, une mini médaille peut-être? Oui! Génial! Comme accepté. Petit klaxon dehors, je sais pas pourquoi. Oh, un bouclier magique, pas mal. On continue à descendre, j'imagine qu'on y est bientôt là, non? Au secours, j'exige que quelqu'un vienne immédiatement me sauver. Loin à l'intérieur, la voix de la reine Noria se fait entendre. Loin? C'est ce que nous verrons. Pas si loin à mon avis. Une pièce d'or, allez, pitié quoi. What? Oh, c'est ici! Alors. Attendez une seconde, petite sauvegarde de rien du tout. Voilà. Très bien. On va se soigner au cas où. Sans réaptitude. Premier secours, non, on va faire soin partiel sur tout le monde, on va se faire plaisir. Voilà. Sur Turkish. Et on va redonner un peu de. Est-ce que j'ai encore de l'eau magique? Attendez. Ah, faut se préparer, hein. Remède puissant, c'est quoi déjà? Non, c'est pas ça que je veux. Ah ouais, non, j'ai même pas de truc pour me donner de la mana. Bon, ça devrait aller, je pense, hein. C'est pas grave. Et bah écoutez, on est parti, le boss. Allez. Je vous en prie, aidez-moi, Salam est devenu fou, il n'arrête pas de dire qu'il est amoureux de moi. What? Ma sublime Noria, maintenant que je t'ai pour moi tout seul, je peux te dire à quel point je t'aime. Il parle fourche langue, le Salam. Bon sang, c'est toi le voyageur qui a osé m'attraper quand je me cachais dans l'arbre. Tu as failli m'empêcher d'utiliser ce fruit pour réaliser mes rêves les plus fous. Mon instinct animal m'a fait deviner que si je mangeais sa pulpe, mon corps prendrait une forme humaine satisfaisante. Et mon instinct ne m'a pas trompé. Regarde-moi, ne suis-je pas l'être le plus beau sur lequel tes yeux se sont posés? Je crois même que tout ça soit trop bien passé. Ma chère Noria semble presque trop abasourdie de me voir sous cette forme. Ouais. On va écouter, nouveau boss, nouvelle figue que nous allons gagner. Je crois qu'il est pas trop compliqué celui-là. Allez, on est parti. Balthézar s'approche. Accompagnement sur Turkish, évidemment. Aptitude, on va faire un petit. Voilà.
Un petit cri de guerre, non. Une petite tension. Toi, tu vas faire un petit... méga altération, en espérant que ça marche, mais je crois que sur les boss, ça fonctionne pas ce genre de sort, je suis pas sûr. Mon stratégie, c'est d'augmenter ma force d'un côté et d'essayer de réduire sa défense de l'autre. Voilà. Voilà. Donc ça marche, c'est bien. Ouh la vache! Ouh la vache! Ouh putain, ça fait trop mal. Méga altération toujours. Ah non, mince. Aïe. Non. Oui. C'est bon, ça va. Tout va bien. On temporise. On essaie de l'avoir sur Turkish. Sort. T'as quoi en sort déjà, toi? Attaquer. Ah non, mais ça sert à rien que je fasse ça parce que c'est que pour un tour la paralysie. Aptitude. Coup bestial toujours. Aptitude, tu vas nous faire tension. Voilà. Ça fait pas très mal, c'est vrai. C'est un tank en fait ce truc, c'est un gros sac à PV. Allez, à 100 s'il te plaît. Ah bah voilà quand même. J'espère juste qu'il va pas être transi de peur au prochain tour si l'autre lui fait une attaque. Ça va. Fait pas trop mal. Aptitude, toujours coup bestial. Très bien. Toi, tu vas faire un petit scratch, s'il te plaît. Un petit sort, méga altération toujours. Ouais, comme ça, il prend quand même assez cher, c'est bien. Au proche... Heureusement qu'il donne pas deux coups par tour, hein. Vous imaginez sinon le bordel? Turkish, toujours, sort. Essayez, petit conseil, hein, essayez de soigner très régulièrement. Ah, oh, j'ai fait une connerie. J'ai fait attaque-attaque. Bon, j'ai perdu un tour. Comme un boulet. Pas très intelligent, ça. J'ai fait un peu n'importe quoi. Premier secours. Non, je vais me faire carrément directement soin partiel. Voilà. Aptitude, tension, tension, voilà. Et toi, sors s'il te plaît. Méga altération toujours. Voilà. Ah, là, je commence à être dans la merde. Un petit peu. Attendez. Aptitude, accompagnement. Sur Turkish parce que je crois que ROF est plus rapide donc elle va pouvoir se soigner avant une prochaine attaque. Voilà. Tension toujours et un petit sort, tiens pourquoi pas pour une fois. Un super glace, allez, on essaye. Oui ça fait mal quand même. Super, bon elle est en vie. Parce que c'est la seule qui peut ramener des gens à la vie, hein, je vous rappelle. Ouais, c'est bon ça. Bon je pense que là à ce coup-là, il y a moyen qu'on le tue. On va tester ça, pourquoi pas, comme ça me soignait. Aptitude coup bestial toujours. Aptitude de scratch. Et un sort. Allez, on y croit. Ah non. Bon bah tant pis. Un coup de grâce, pas mal ça. Ah bah ça y est, c'est fini. Oh, il lui restait que quelques PV. Et bah Balthazar, ça y est, c'est bon. Même pas de... Oh. Une écaille de dragon, c'est pas mal. Ça se vend cher. Je n'arrive pas à le croire, mais je suis rendu compte que quand nous nous battions, que les humains ne lancent pas de grandes flammes de leur bouche, n'est-ce pas? Je ne suis donc pas devenu humain. Mais ça n'a pas d'importance, je ne peux pas accepter aussi facilement ma défaite, je ne peux pas laisser repartir Noria. Elle ne doit pas retourner au Mirage Mahal. Cet endroit est plein de menteurs, je préfère mourir que de laisser faire ça. Non, attendez! Lynette! S'il vous plaît, Kellem, mon bienfaiteur, attendez. Cessez de vous en prendre à sa massacheté. Sans elle, il n'y aurait...
Il n'y aurait personne avec qui notre très haute majesté pourrait partager ses pensées, ses sentiments les plus secrets. Mais Lynette, pourquoi? Pourquoi venir à mon secours après les horreurs que je t'ai fait subir? Je ne peux pas me taire, je vous ai vu, Altesse. Je vous ai vu pleurer en parlant à sa majesté. Vous lui avez dit que vous aviez honte d'être aussi égoïste, que vous vous sentiez seul sans vos parents bien-aimés. J'aurais simplement aimé que vous puissiez partager les mêmes choses avec nous, vos servantes. Peut-être que si vous y arriviez, vous deviendrez quelqu'un d'autre, et... Lynette! Je me sens si bête. Si seulement j'avais réalisé qu'il y avait des personnes aussi gentilles que Lynette au palais. Mais, lézard et cervelé que je suis, j'essaie de l'enlever du lieu où tant de gens bien intentionnés s'occupent d'elle. Voyageur. Je sens que toi non plus tu n'es pas humain, et tu sembles en savoir beaucoup sur le fruit doré. Je ne veux plus bénéficier de son pouvoir, je souhaite reprendre mon apparence de lézard et vivre heureux aux côtés de Noria. Je te laisse le fruit, oui, pardon, voyageur. Je vivrai heureux en sachant que des personnes comme Lynette veillent sur Noria. Oh mais non. Bon bah voilà. Tout est bien qui finit bien. Merci voyageur célestélien. Parfait. Salamouné, j'ai toujours su que tu veillais sur moi, n'est-ce pas mon salasaloum salosulmichou? Ok. Yeah! C'est Kalem, n'est-ce pas? Je vous remercie mille fois de m'avoir sauvé et d'avoir risqué votre vie pour moi. J'ai toujours cru que personne ne s'intéressait vraiment à moi, c'est pourquoi j'étais si horrible avec tout le monde. Mais après ce qui s'est passé, j'ai compris que... J'avais tort. Lynette, Salam, il existe toutes sortes de gens et de créatures qui s'intéressent à moi. Merci du fond du cœur, maintenant j'ai hâte de faire de notre pays l'endroit le plus heureux du monde. Si vous repassez dans la région, n'oubliez pas de vous arrêter à Ouadi. Salam et moi, nous vous accueillerons à bras ouverts. Bras ouverts. Bah nickel. Attendez, est-ce qu'on peut lui parler? Il ne nous donne rien. Ok. Bon bah c'est terminé. Bon bah voilà. On sort d'ici. Tout est bien, qui finit bien. Ça c'est une fontaine, on peut pas aller dedans, non? Non. Oups. Pardon, je voulais faire des petits effets genre ouh comme ça, mais... Est-ce que je peux acheter des choses maintenant? Attendez, j'ai pas visité toutes les maisons en fait. Ça c'est quoi? Ah c'est l'église. D'accord, bon j'en ai pas besoin. Est-ce que je suis soigné au fait automatiquement à chaque fin de... Ah non, bâtard ça. On va aller se soigner, du coup. On va lui voler ça au mec, au marchand. Voilà. Bon, on passe la nuit, hein. C'est mieux quand il fait jour, quand même. Voilà. Attendez, il y avait peut-être des choses à voler, quand même. Je suis déjà venu ici, attendez. Mais ouais, non, il n'y avait rien. Peut-être ici. Non plus. Bon. Super. Je vais voir si je peux acheter quelque chose de plus. Il y a besoin de protection, surtout. C'est cher, tout ça. Ah, c'est trop cher. Ouais, bon. On peut continuer la route comme ça, hein. Voilà. Bah écoutez les amis, sur ce, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui fait plaisir. À vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve au prochain épisode pour la suite. Et on ira dans la prochaine ville, dans les prochaines contrées qui nous attendent. Sur ce, je vous dis à très bientôt.
Ciao!